Hey yo tout le monde, c'est Toufix, comment ça va? Moi je vais super, j'ai une petite vidéo, on est sur le PBE et je vais vous présenter une nouvelle capsule du coup qui va être mise en place pour le prochain patch pour le MSI. En gros, le MSI, le Mid-Season Invitational, du coup c'est à moitié un tournoi en gros avec des plus petites équipes, pas des équipes comme Fnatic et tout, mais des équipes qui peuvent être connues. Et du coup, un tournoi de mi-saison tout simplement. Et du coup, pour cette mi-saison, ils ont décidé de sortir cette capsule, la capsule du MSI. Du coup, un conteneur de butins exclusifs est rempli de fantastiques surprises. Le taux d'obtention des gemmes a été augmenté à 50% et vous avez une chance rare d'obtenir jusqu'à 3 gemmes par capsule. Disponible à l'achat uniquement les jours de diffusion du MSI. Du coup, seulement pendant que le MSI diffusé en gros pendant qu'il y a des games du MSI, sauf sur le PvE bien sûr, et ben vous pourrez acheter cette capsule. Dans la capsule vous avez quoi? Contient ceci: un fragment de skin e-sport, je sais pas ce que c'est, Artisan avec Snake, un fragment de skin et un autre fragment de skin, contenu bonus possible, une gemme, bah 3 gemmes tout simplement, j'allais dire une gemme, mais non, c'est 3 gemmes. Ok, bon, on va l'acheter, on va en acheter 2. On va les tester. Tout simplement. Récompense. On va les tester. Alors, Tryndamere Viking, du coup c'est le skin aléatoire. Samsung White Trash, du coup c'est ça le skin aléatoire e-sport. En gros c'est un skin aléatoire dans tous les skins qui ont été faits pour l'équipe. Par exemple les Samsung White, les Fnatic, les comment ça s'appelle, SKT, et il y a une autre équipe, je sais plus qui, et d'autres équipes, TPA et une autre équipe, je sais plus c'est qui. Du coup voilà, en gros c'est ça le skin e-sport. Ok, et du coup un autre Cryo Brand, et j'ai pas eu de gem, tranquille. On va réessayer, c'est marqué quoi? Ouais, ok, c'est ce qui était marqué. Harry Challenger, Nunu Crunch et Kog'Maw des Abysses. Ah, c'est Harry Challenger le skin e-sport, vu que c'est Challenger Series et tout. Je crois que c'est par rapport à ça. Je suis pas sûr, mais je crois. Du coup, voilà. Ok, bah, un nouveau butin intéressant. Du coup, un nouveau butin vraiment intéressant. Du coup, la capsule du MSI, il vaudra 600 RP, assez cher quand même, hein. Mais vous avez 3 skins. Et vous pouvez gagner jusqu'à 3 gemmes. Vous pouvez ne gagner aucune gemme. Vous pouvez gagner une, deux ou trois gemmes. Du coup, voilà. C'est une capsule intéressante. Et du coup, vous pourrez l'acheter seulement pendant qu'il y a des matchs du MSI. Du coup, une capsule intéressante. Qui vaut un peu cher, c'est vrai, mais vous avez trois skins en même temps. Et vous pouvez gagner des gemmes. Du coup, voilà. C'était une petite vidéo pour vous présenter cette nouvelle capsule. La capsule du MSI. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Je suis sur le PBE, du coup ne me demandez pas, passe-moi des pays, des RP ou tout. Je suis sur le PBE, je ne peux pas décaler les RP ou les pays dans le compte live, tout simplement. Du coup, voilà. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Les gens, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'est tout.